Mission Lave pour Aline et Nicolas, les deux volcanologues partis de Bourmura en hélicoptère pour rejoindre le nouveau cône qui vient de se former sur le flanc est du volcan, juste en dessous du cratère Madoré. Conditions difficiles, il aurait fallu 3 heures pour rejoindre le site à pied et 12 pour accomplir la mission. Mais il faut faire au plus vite pour effectuer des prélèvements de lave à 1200 degrés. La mission là ce matin, c'était de pouvoir échantillonner la coulée de lave pour pouvoir ensuite envoyer ça au laboratoire analyse et avoir une meilleure idée de d'où provient ce magma, et notamment si c'est la continuité de l'éruption du 18 et voir si on a une seule et même éruption ou deux éruptions différentes. Les premiers éléments montrent que pour l'éruption qui s'est ouverte hier, il n'y a pas eu de nouvelles déformations. Donc très vraisemblablement, c'est le même magma qui a poussé jusqu'ici, mais les analyses complémentaires dont l'analyse d'échantillons permettra de répondre à cette question. Pour Nicolas, une telle mission n'est pas une première, mais c'est toujours un instant magique qui fait monter la température, 1000 degrés au plus près de la lave, et l'adrénaline, sans compter le soufre, qui poussé par de fortes rafales de vent, peut vous étouffer en une seconde. Au niveau personnel, c'est un moment incroyable. On s'est posé la question tout à l'heure de savoir si un d'entre nous avait pris son cardio-fréquence-mètre. Parce que le palpitant monte très très haut. On récupère un magma le plus chaud possible, une lave la plus chaude possible, justement pour qu'elle ressemble encore au magma. On va la figer en la mettant dans l'eau, et à ce moment-là, on considère que c'est ce qu'on a trouvé. Là, ça correspond à ce qui était dans le conduit. Du coup, elle n'a pas le temps de refroidir, et du coup, elle ressemble à ce qu'elle était dans la chambre magmatique. La rivière de lave s'écoule lentement, moins fort que la précédente éruption. Mais les scientifiques estimaient ce matin qu'il y avait de fortes chances pour que la lave puisse atteindre la mer, ou au moins s'en approcher, si le débit continue ainsi. Des scientifiques qui devront revenir sur place plus tard pour analyser les gaz émis et effectuer la nouvelle topographie des lieux.